Week-end de terrain pour le désormais ex-ministre des Transports. Avant son limogeage, Hervé Rey-Romain était plutôt très actif sur les chantiers en construction, lancés par le gouvernement de la rupture. Le mardi 25 juillet dernier, j'étais venu ici au nom du président Patrice Talon lancer les travaux des routes Port-Nouveau à Promisreté et Pobert à Diaweré-Wenri. Donc aujourd'hui, nous avons fait un peu plus d'un mois et nous sommes venus constater sur le terrain ce qui se fait. Je dois dire globalement que ce qui se fait n'est pas encore satisfaisant. Ce n'est pas encore satisfaisant parce que l'entrepreneur, il a 30 mois de délai. Nous venons d'égrener un mois et demi. C'est vrai, son planning prévoit les installations de chantier sur 3 mois. Mais au vu de ce qu'il reste à mettre en place au titre des installations de chantier, et nous croyons que les 3 mois prévus pour ces installations ne soient respectés. Alors j'ai instruit mes services techniques, notamment la direction des travaux neufs, à l'effet de sommer l'entrepreneur de tenir les installations de chantier dans ce délai de 3 mois. Et je dis que l'évolution n'est pas satisfaisante, surtout au regard des diligences faites par le gouvernement qui a payé l'avance de démarrage à l'entreprise. On a fait les 10 ans pour payer cette avance de démarrage. Et rien ne devrait justifier un manque de célérité dans les travaux. Nous avons regardé avec l'entrepreneur les méthodologies, tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Et nous osons croire qu'à partir de maintenant, les travaux devront se dérouler conformément au planning. C'est un marché global de 164 milliards qui est confié à FMAS. Mais nous n'avons lancé que des travaux à hauteur de 48 milliards pour l'instant. C'est-à-dire globalement 30% du volume total de travaux. Alors si nous observons que ce tiers, ces 30% qui sont confiés ne connaissent pas une bonne évolution, le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de confier le reste des travaux à cette entreprise. Donc nous allons faire un suivi régulier et nous n'allons pas attendre la fin des 30 mois avant de prendre nos responsabilités. Des propos qui précèdent au départ du gouvernement du très actif ministre et qui ont alimenté les polémiques. Conséquence, le directeur des travaux publics sort de son silence. Il y a un peu de confusion dans la tête des populations. Quand on dit BOT dans certains contextes, c'est que l'État qui a besoin d'une infrastructure peut ne pas disposer des moyens en propre lui-même pour réaliser cette infrastructure et il fait appel à un privé pour que ce privé mette à sa disposition les moyens pour faire l'infrastructure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment cet investissement mis à disposition par le privé, comment il sera remboursé. Dans certains cas, on dit vous réalisez l'ouvrage. Vous l'exploitez, vous encaissez des redevances, mais pas des redevances, des taxes ou des frais. Et on peut vous donner 20 ans, on peut vous donner 25 ans, on peut vous donner 30 ans, dépendamment du niveau de l'investissement. Et lorsque vous rentrez dans vos fonds, vous transférez l'ouvrage à l'État. Donc, de la date zéro de mise en service de l'ouvrage à la date de retour de l'ouvrage dans le patrimoine de l'État, l'ouvrage est considéré comme un bien privé, du privé, excusez-moi la reprise, je n'ai pas d'autres moyens de le dire, et le privé l'exploite. Vous avez votre route, un usager qui prend sa voiture, qui emprunte la route, paye quelque chose, non pas à l'État, mais paye au privé pendant un certain nombre d'années. Le privé rentre dans ses fonds et il rentre dans ses fonds et en plus aussi ses bénéfices parce que ce n'est pas un philanthrope. Mais l'État et ce privé s'entendent déjà dès le départ pour savoir votre infrastructure, ça coûte un montant donné. Le monsieur met sa marge bénéficiaire là-dessus. On étale cet ensemble sur un certain nombre d'années et c'est au bout de ce nombre d'années-là que l'ouvrage est transféré à l'État. Ça, c'est le BOT que les Béninois ont dans la tête. La route au Bénin, là, et en Afrique, va demeurer encore longtemps une infrastructure sociale. Donc,
On ne peut pas vous demander, par exemple, de payer les 164 milliards qu'on va utiliser pour faire l'ensemble de ces axes routiers qu'on a confiés à AFMAS. Tout ce qu'on fait, c'est que l'État, au lieu d'aller directement chercher le financement, demande au privé, si tu as, comment on appelle, les renommées nécessaires pour avoir ce financement, tu les as. Mais moi, je te signe une garantie pour t'accompagner dans la recherche de ce financement-là. Tu me réalises l'ouvrage, mais du début des travaux jusqu'à la fin des travaux, rien ne me concerne. Si le projet capote, ça capote avec les risques du privé. Mais c'est lorsque l'infrastructure est réalisée et réceptionnée que moi, je deviens responsable du prêt. Et la banque appelle la garantie de substitution que j'ai déposée dès le début. Et moi, État, je commence par rembourser. Donc, ça veut dire que la route que nous avons confiée à AFMAS, c'est comme si c'est sa propriété. Il l'a construit. Il se l'approprie, c'est le owns. Ça devient sa propriété, mais il ne l'exploite pas. Dès la fin des travaux, il le transfère à l'État. La rentrée a effectivement démarré ce lundi 18 septembre. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes et dans certains établissements publics, les cours ont démarré. Nous avons préparé cette rentrée par la pré-rentrée. Et l'établissement est propre, tout est déjà au point pour recevoir les apprenants. Et ce matin déjà, on a conduit les élèves qui ont déjà leur classe, qu'elles soient des anciens comme des nouveaux, dans leur classe. Et les professeurs qui ont cours ont pu faire leur cours. Dans le privé, la machine est mise en branle pour l'effectivité des premiers cours. Nous avons commencé déjà par préparer la rentrée. Donc, aux professeurs et aux enseignants du primaire, nous avons partagé les fournitures depuis 4 jours. On leur a partagé les fournitures. Donc chacun connaît son emploi de temps, chacun a pris la liste des fournitures qu'il lui faut pour conduire l'année jusqu'à la fin. Nos enseignants du primaire sont en classe avec les enfants, ceux du collège sont aussi en classe. On est dans l'entourage de 10 heures, l'heure de la récréation. Certains sont en train de sortir. Les privés n'ont pas intérêt à marchander. On a pris toutes les dispositions, les parents sont arrivés à l'heure. Les professeurs, ils avaient leur emploi du temps depuis 2 semaines. Et je pense qu'à 8h00, les cours ont démarré. Et il n'y a plus à perdre un instant. Parce que vous savez, là, quand vous vivez sur résultat, votre avenir dépend de votre prestation, dépend des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc vous n'avez pas intérêt à vous amuser. Le temps coûte trop cher et on a assez perdu du temps dans ce pays et il faudrait que tout soit axé sur la compétence pour qu'il n'y ait plus de désert de compétences comme le président l'a dit. Et déjà, les balises sont posées un peu comme pour dire « halte aux dérives ». Ici, il n'y a pas de cheveux extravagants. J'ai l'impression qu'il y a certains qui continuent les vacances. Quand je regarde sur les têtes là, les mèches par ici, les cheveux bizarres sur certaines têtes, surtout au niveau des garçons. L'effectivité du démarrage rassure les parents. Ce que j'ai vu, je crois que ça promet. Et puis l'année, je souhaite aussi que l'année soit apaisée. C'est vrai qu'on a dit cette année que elle est un peu précoce, la rentrée est un peu précoce. Mais puisqu'on a commencé par chanter cela depuis, beaucoup de parents quand même se sont apprêtés. On n'est jamais prêt. L'essentiel, c'est de démarrer. Donc on a démarré. Je crois que l'État même a mis les bouchées doubles pour y mettre l'essentiel. Les élèves et écoliers, eux, sont heureux de retrouver le chemin des classes. On a vu que la rentrée a vraiment démarré, les professeurs sont venus, ils nous donnent les programmes,
on se familiarise avec les professeurs aussi. On fait leur connaissance en donnant les ouvrages au programme. Mais cette année, on a vraiment commencé. Le prof d'anglais aussi est déjà passé, là, il a donné son programme aussi. Pour moi, les vacances se sont bien passées. Et bon, pour dire la vérité, dès le début des vacances, j'avais envie de retrouver du monde. Donc, cette rentrée est bienvenue pour dire ça. Et bon, sauf qu'on n'a pas eu le temps de trop bien se préparer pour débuter la rentrée ce 18 septembre, vu qu'on n'a pas très vite pris les vacances l'année passée. Mes impressions sont très bonnes, puisque déjà à la rentrée, on a déjà commencé les cours. Les cours se déroulent très bien. Les professeurs déjà nous expliquent un peu le programme. On doit oublier tous les amusements et se mettre au sérieux pour pouvoir donner de bons résultats à la fin de l'année. Des candidats mécontents au concours d'entrée dans les écoles. En cause, la maldonne, selon les étudiants, de la fiche d'inscription et de la quittance. J'ai pu retirer la fiche d'inscription, mais à 400 francs bien sûr, mais jusque-là, je n'ai pas pu, avoir la quittance qui est pour 5000 francs. Comme dans les années antérieures, la fiche était distribuée gratuitement. Chaque étudiant avait la possibilité de venir retirer et de remplir. Cette année, nous avons constaté qu'il y a une machine qui est mise en place pour faire payer aux étudiants ces fiches, ce qui n'est même pas légal. Parce que la même fiche peut être retirée à la DBSU et gratuitement. C'est le premier problème. Ils avaient même ajouté une chemise dossier de 50 francs, mais ils ont mis ça à 100 francs. Donc le tout faisait 400 francs que chaque étudiant doit payer. Au niveau de la quittance, nous savons le premier réflexe que nous avons, c'est d'aller payer les quittances au niveau du trésor public. Beaucoup d'étudiants sont allés prendre ces quittances-là au niveau du trésor public. Mais force est de constater, arrivé ici, voici la quittance qui est payée au niveau du trésor public. Une quittance bien cachetée, en bande et due forme. Mais remarquez que la quittance qui est vendue ici n'a même pas de cachet. Et maintenant, on dit que ceux qui ont payé leur quittance au niveau du trésor public, que ces quittances ne sont même pas considérées, que ces quittances ne sont pas valables. Donc quelqu'un qui va payer une quittance au niveau du trésor public, il revient ici, la quittance est à 5 000, imaginez. Il revient ici, on lui dit non, la quittance là n'a pas de valeur, il faut payer une autre quittance à 5 000, ça fait 10 000. Et remarquez que vous n'allez pas même remarquer une différence entre les quittances, c'est toujours le trésor public. La seule différence, c'est que pour ceci, il n'est même pas estampillé, mais pour le trésor public, est estampillé. Nous voyons que c'est une machine tout simplement pour gruger les étudiants. Troisième problème, c'est par rapport aux enveloppes. Le timbre a une valeur, a un coût de 600 francs normalement. Donc, une enveloppe de format moyen à 50 francs, ça fait 650. Mais on impose aux enfants de venir payer l'enveloppe timbrée complète là, au sein de l'administration à 800. Donc les enfants n'ont pas la possibilité. Ceux qui sont un peu naïfs sont allés prendre ça dans les postes. On a jeté même leur dossier pour dire que c'est ici. Sur la question, la réaction de l'autorité ne s'est pas faite attendre. Lorsque jeudi dernier, l'enseignement supérieur, la DEC enseignement supérieur est venu nous voir, ils nous ont amené des quittances, avec des quittances. Et je vous ai montré tout à l'heure une autre. Ils ont été formés là-dessus. Ils ont dit les quittances achetées à l'extérieur ne sont pas prises en compte. Voilà. Donc, c'est sur ça que nous avons commencé par fonctionner depuis vendredi dernier. Donc, nous avons fonctionné comme ça. Vendredi dernier, nous avons fonctionné comme ça. Hier, lundi, et ce matin, brutalement, le problème a surgi comme quoi on doit prendre forcément les quittances achetées à l'extérieur. Nous avons refusé sur le papier qu'on nous a remis et sur les coups de fil que nous avons eu de l'enseignement, de la DEC enseignement supérieur, ces formels et quittances doivent être achetés dans les DEDEPS. Retrouvailles des filles et fils de Zakota, réflexion, convivialité et partage ont marqué l'édition 2017, édition à plusieurs objectifs. Mobiliser plus de filles et fils de la commune de Zakota à l'organisation de la 4e édition des retrouvailles, contribuer au développement de la commune de Zakota à travers la réalisation des œuvres sociaux communautaires. C'est doter le centre villageois de Détekpa, aider le centre à faire un raccordement, à donner de l'eau au centre de santé, parce que le centre n'en a pas. Et ça posait des problèmes pour laver les matériels. Les femmes, après accouchement, manquent de l'eau. Donc c'était un besoin cruel. Et la coordination a décidé d'aider le centre
a fait assurer un branchement au niveau de l'AEV qui se trouve dans le village. Nous sommes vraiment les débiteurs de notre commune. Alors mettons-nous à l'œuvre davantage pour que cela, la commune se développe. Ce qu'on a constaté par le passé, tout ce que les gens réclament, tout ce que les populations réclament, l'État n'a pas fait ceci, l'État central a été défaillant. Mais si les fils et filles, nous pouvons mettre la main, chacun peut mettre la main à la poche, tel que nous venons de le faire là, et là ça permet à l'État de savoir que dans telle contrée, ils ont telle difficulté. Je peux venir au secours de ceux-là, comme on le dit, parce que si nous devrons tout attendre de l'État, ça va mettre du temps. Mais le peu que nous avons, il faut d'abord commencer avant de demander l'aide à l'État central. Bon repos et à la semaine prochaine.